Oh yeah! Moins 1000! Yes! À fond, on part! Alors. Il faut qu'on soit à 9h18 à Newcastle 8! Ta-da-da-dam! On est dans le deuxième épisode là? Oui! Oh god! Ah oui, alors pour vous, c'est un nouvel épisode, donc vous devez penser, ouais, ça y est, on est tout frais, tout ça. Et ben non, on va se retourner juste après. On n'en peut plus, mais ça fait 45 minutes. Et il reste combien de temps encore? Il faut qu'on aille à 9h18. Donc il nous reste 25. Ouais, il nous reste 40 minutes, quoi. Et ben je t'annonce que j'irai me chercher à manger pendant cet épisode, moi. J'en peux plus! Comme c'est aussi pas ça, moi le qui conduis, hein. Ah bah moi je pourrais laisser le truc comme ça et partir bouffer. C'est ça aussi le let's play le plus chiant du monde. Le let's play sans personne qui commente. Les mecs ils se sont barrés pendant le commentaire. Ah mais ça va nous arriver dans Fred, ou... ça va nous arriver dans un des épisodes ça, hein. C'est le let's play où plus personne n'en peut plus. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon excès de vitesse. Un peu de frein. On est lundi, là? Ouais. Ouais. Moi, je suis à moins 1300, donc c'est plus un problème. En score? Ah là là. Le mauvais score qu'on fait, quoi. On s'excuse à tous les cheminots qui nous regardent. Donnez-nous des conseils, hein. Ouais, ça, ouais. Ça, vraiment, on prend. En fait, on a trois boutons, donc donnez-nous les conseils de comment les manier mieux. Enfin, je sais pas, il y a peut-être une technique. Je pense qu'il va y avoir le code du rail, comme on a le code de la route. Ouais. Vu qu'on genre, ouais, expliquez-nous ce que veulent dire les panneaux. Là, c'est vert, ça se trouve, ça veut pas dire qu'il faut passer. Hein. Bah, je pense que si, enfin, puisque ça a l'air de passer au rouge quand on est passé. Donc, moi, je veux bien savoir c'est quoi le truc avec les deux jaunes clignotants. Et il m'a semblé voir un truc avec trois jaunes clignotants à un moment. Donc si vous êtes conducteur de train, ou vous travaillez dans les trains, ou n'importe quoi, enfin j'en sais rien, si vous connaissez le code du train... par hasard, parce que bon, vous pouvez pas être tombé ici autrement. Enfin si vous venez, si vous revenez ici parce que vous avez aimé le premier épisode, c'est bienvenue, que... et poivrons à tous. Et poivrons à tous, ouais c'est ça. Oh là là. Et c'est que vous êtes fan de train, je pense. Ça se trouve, on va nous. Se faire flamer, mais sévère, parce qu'on va avoir toute la communauté des fans de train sur le dos. Au lieu de nous flamer, que ça soit expliquez-nous. Pas bon, expliquez-nous, en fait, concrètement, votre bah, passion. Ce qu'on doit faire. Enfin, ce jeu-là, là, qu'est-ce qui vous fait triper quand vous jouez à ce jeu-là? Clairement, parce que nous, on voit pas. Bah nous, ce qui nous fait triper, c'est d'y jouer et de se parler l'un l'autre, en fait. C'est surtout ça. Si vous avez pas encore compris... Alors, maintenant qu'on vient de faire 45 minutes et des poussières à conduire un train et que ça soit chiant... On en est chez de vitesse, encore une fois. On est tout seul. Je pense que j'aurais fait un anévrisme au bout de la 10e minute. On n'aurait plus rien entendu et les épisodes seraient jamais sortis. C'est ça, j'aurais été chez mon voisin chinois en bas, j'aurais acheté tout ce qu'il avait comme chips à la crevette et je les aurais mangés en jouant. Ça aurait été un let's play crunch. Crunch. D'ailleurs, j'avais dit que je me cognerais la tête contre la table dans le premier épisode, je ne l'ai pas fait. Ah, donc, je te fêterai avec des orties. Je me suis dit peut-être que je tiendrai pas un épisode. Là, par contre, j'en ai follement envie. Je me retiens. C'est horrible. Ah, bah, c'est le casque qui s'est tapé la tête contre la table. En me tapant la tête contre la table, mon casque est tombé. C'est bien, on est à moins 1411, donc c'est bon au niveau score. Le but, c'est d'arriver au-dessus de moins 3000 pour cet épisode. Mais en fait, quand est-ce que ça remonte? Je sais pas. Je suis pas sûr que ça puisse monter. Parce que je vois que ça, des... Ça fait que descendre en fonction de nos erreurs et faut avoir le moins d'erreurs possible. Bah c'est ce qui... Enfin, c'est ce que... Enfin, je vois pas
quelles actions pourrait le faire remonter. Très honnêtement. Surtout là, on conduit pas trop mal, là. Bah ouais, là, j'ai quand même l'impression que on gère plutôt la cacahuète, hein. Ouais. On est presque à la bonne vitesse. On n'a pas eu de stop d'urgence depuis quelques temps. Y a pas d'excès de vitesse. Là, c'est plutôt... plutôt pas mal. On reste constant dans le score, là. 1411. C'est ça. Ça descend plus. Je sais pas à combien on est parti. Il va pouvoir bientôt monter à 80, si j'ai bien compris ce que c'est. Je prépare et là, t'as un feu vert. Est-ce que ça veut dire que tu peux monter à 80 à partir du feu vert? Non. Non, c'est là, la section, ici. Par contre, je sais pas comment elle est annoncée. Peut-être le petit panneau jaune, ici, qu'on voit tout à liaisé. C'est ça. C'est ça, 80. Ah, non. Ah, non. Faut peut-être que j'attende que tout mon train soit passé dans la section à 80. C'est ça. Bon, je pense qu'on a compris un truc. C'est que quand on veut accélérer, il faut que tout le train soit passé dans la section où on peut accélérer. Ah, d'accord. Peut-être, hein. C'est pas sûr du tout, c'est une hypothèse. On pense pas trop au fait que quand on conduit une voiture, la voiture fait 3 mètres de long et que forcément, quand t'as passé le panneau, le temps que ça monte au cerveau, t'es forcément passé le panneau. C'est ça. Dans le train, j'avais fait tout un truc de signalisation ferroviaire quand j'étais en école d'ingénieur. Le seul truc que j'en ai retenu, c'est ces feux-là. Quand c'est vert, on passe. Quand c'est jaune-jaune, le canton d'après-après est occupé. Quand c'est jaune-jaune clignotant, c'est juste le canton d'après. Ah, il y avait un rouge, panneau de vitesse. Ouais, c'était pour... T'as vu la petite courgette qu'il y avait sur le bord, là? C'était si on voulait prendre ce truc-là, c'était limité à 30. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est ça, il y avait 10. Donc, c'est pas pour nous, quoi, les 30. Non. Nous, on peut rester à 80 comme des... Comme et des ça veut dire que la première indication de vitesse, faut commencer à ralentir, quoi. La prochaine, pourquoi? Ouais. Je sais pas si tu te rends compte que là, on est arrivé à un point où on essaye de s'intéresser à comment on conduit le train. C'est ça. Après une heure de let's play. Là, on a tellement le cerveau échoué totalement qu'on n'a plus le choix, quoi. Eh, mais on est plutôt pas mauvais, là. Hein. Bon, on conduit un peu en PWM, mais bon... Je me mute quelques secondes. T'as le droit de dire toutes les saloperies du monde sur moi pendant que je vais chercher de quoi manger. Je les ai déjà toutes dites, donc... Regardez Feldustry si vous voulez voir toutes les saloperies que je dis sur Rémi, hein. Alors là, j'ai pas freiné assez tôt... Donc on est en excès de vitesse et le score est en train de se faire baffer. On réaccélère un petit coup. Et ouais, ça aurait donné ça si j'avais fait le let's play tout seul. Ça aurait été encore plus chiant qu'à deux. C'est long, j'en peux plus. Newcastle, c'est loin. Non, je voulais pas accélérer. C'est à 28 000. On va arriver à 9h21 et ça va être génial pour lâcher les gens sur la voie comme tout à l'heure. C'est bien, non, en fait, c'est vrai que ça doit être passionnant pour les gens qui sont passionnés. C'est pour ceux qui sont pas passionnés. C'est quand même moins chiant que ce que j'avais imaginé. Je dois être honnête là-dessus. C'est un poil moins chiant que ce que j'avais imaginé à l'origine. Mais c'est vrai que... Bah c'est clair, vous attendez pas à ce qu'il y en ait sorti un toutes les semaines. Hein. Là, on va jamais y arriver. Mais il est moche, ce truc. Alors là, j'espère qu'on va passer avant qu'il... Non, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Là, là, là. Ça avance. Newcastle, 27,3 000. Et puis c'est bien, en plus avec le train on peut pas récupérer du temps, puisque si je suis en excès de vitesse, on perd du score et on risque de dérailler tout le temps. Donc on va éviter de faire un gros excès de vitesse dégueulasse. On va aller à 85 exactement. Et pour la prochaine fois on essaiera d'avoir des commentaires constructifs sur le chemin de fer et tout ça. J'ai dit essayer, hein, parce que bon... Ça va pas être super aisé ni évident pour nous. 340 ampères, c'est pas mal.
C'est long. On va croiser une copine ici. Ça, là, il y a une... C'est quoi ça? C'est des voies de stockage. On avance, on avance, on avance. On clique en dehors de la fenêtre. On avance, on est en excès de vitesse. On avance, on fait tout le tour. Et c'est hyper loin! Bon, j'espère qu'il y a une section à 125. Parce que sinon, on va jamais y arriver, hein. Ouais, bah, y a peut-être les limitations de vitesse. Si on... Non, bon, c'est pas grave. Et c'est quoi ça? Ah, ça doit vouloir dire que si je joue en multi-écran, ce qui doit être impossible à filmer, je peux avoir cette carte-ci d'un côté et le train de l'autre. Mais bon, vu que je joue en 720p pour aussi limiter la taille de la capture, parce que bon, capturer 2h30 d'épisode à chaque fois, ça prend quand même un poil de temps et surtout un maximum de place, et donc c'est la galère. On va accélérer un petit peu histoire d'arriver à Newcastle à 9h20. Je crois que tout à l'heure c'était 9h21, donc on a gagné une petite minute. Sur tout le trajet, on va peut-être réussir à gagner ce qu'il faut. Et je suis sûr que quelque part, une locomotive a quand même un régulateur de vitesse. Ça me paraît complètement absurde qu'il n'y en ait pas du tout. Ouais, des trains qui sont parqués. Oh, t'as vous. Alors, pourquoi on est là? Je comprends toujours pas ce que c'est ce truc. Pourquoi des fois il est devant, derrière? Ok. Ça doit avoir une raison. On va voir. Est-ce qu'il y a un virage prochainement? Non. Là, il y a du gasoil ici. C'est bien, mais vu que j'ai pas l'impression qu'on consomme de gasoil du tout. 747 gallons de gasoil. Ça va. Ici c'est quoi? 0 de mercure, 0 PSI. J'étais en train de faire la super remarque, on a 747 gallons de gasoil dans la loco. Ah, c'est assez pour aller à York? Bah je pense, et d'ailleurs on va à Newcastle. C'est pas grave. On va pas à York? Non, on est parti de York je crois. Ah d'accord. Je pensais que c'était là, l'inverse. Là il reste aller à Newcastle à 9h18. Tu sais que ce let's play le plus chiant du monde, j'ai presque envie d'en lancer un concept à part entière, c'est-à-dire acheter tous les jeux les plus chiants de la Terre et faire des let's play, des mini let's play dessus. Oh, mais c'est possible, hein. Alors là, on fait ça avec ton compte bancaire, par contre. Mais c'est tout à fait possible. Je pense qu'il y a moyen de trouver des jeux chiants pas chers. Ah bah oui, ça, c'est certain. On peut tout à fait en faire un concept, hein, parce que là on atteint un niveau presque du jamais vu. De toute façon là c'est bon, on peut parler comme on veut, il y a personne qui nous regarde. C'est ça, là il y a absolument plus personne, donc on peut radoter ensemble et on est tranquille. Hein. Bah moi je suis même en train de manger, donc pour te dire. Oui, je fais plus rien là, ça fait 5 minutes que je touche plus rien du tout. Donc... Ouais, un achèvement. Non. Si. C'est quoi l'achèvement? Well traveled. Donc, je pense que ça veut dire qu'on a fait 500 000, enfin que j'ai fait, qu'on a fait, entre tous les tutos et tous les tests, 500 000 avec un train. D'accord. Non, je voulais ralentir un petit peu de frein. Un peu plus de frein. Vraiment plus de frein. Voilà. Parce que là, on va essayer d'arriver à la section à 65 en étant à 65. Yes. J'ai un peu trop freiné, par contre. On va mettre un peu de sel pour lubrifier tout ça. On commence à devenir bon, dis donc. Ah bah ouais, mais grave. Hein. Enfin, surtout toi, moi je fais rien. Mais...
puis là on va avoir une section à 85, donc on va pouvoir réaccélérer. Youhou! Jamais arrivé à Newcastle. On est à Newcastle dans 20 minutes, courage. Enfin, plus personne ne regarde, on est tranquille. Alors là, je pense en fait que ça, c'est l'assiette du train. Parce que ça bouge dans les virages. C'est quoi une assiette? C'est sa position par rapport... Ça va pas t'aider au roulis, au lacet et à tout ça. Donc c'est la position qu'il a en fait. Quand on tourne, t'es un peu éjecté vers le bord. Ah, je suis en excès de vitesse. Ouais. Et donc je pense que c'est de combien on est éjecté sur le bord. Peut-être. Ouais. Yes, 85. Presque. C'est bon là ? Non, c'est le canton suivant. Ou à une certaine distance en fait, je sais pas. Ça doit être grave pas facile d'arriver à voir les panneaux quand on est vraiment dans une locomotive. C'est comme ça, on voit quand même pas grand chose. Hein. 85, on accélère. Bon, je suis en excès de vitesse, mais on est plus à grand chose près. Hop. Voilà. Yes, un pont. Vue aérienne. Vue cinéma. Ah. Bug de calibrage de la vue cinéma. Ah non. Wouah. On vient de passer un pont, quoi. Et on est à 85 000 par heure, quoi. C'est énorme. C'était mieux sur la section à 125. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est vraiment nécessaire. On a vraiment bien fait de lancer un let's play là-dessus. Parce que je pense que pas grand monde l'a fait. Et je pense que personne ne le refera. Effectivement, j'ai quelques doutes là-dessus. Je pense que là, on est pile poil dans l'originalité. Là, originalité du concept, 20 sur 20, quoi. Minimum. On peut même passer sur le 22 ou le 23. Après, intérêt, je pense que tu peux descendre en négatif. Là, oui, forcément. L'intérêt est relatif à l'originalité dans ce cas-là. Bon, bah, on arrive bientôt à Newcastle, hein, dans 18 minutes. Tu voulais pas dire inversement proportionnel? Si. Je sais plus ce que j'ai dit. T'as dit relatif. Oui, bah, un entier relatif, effectivement. Relatif par rapport à 0, on s'entend. Ou peut-être moins. D'accord. 10 déjà. Peut-être décaler le miroir dans le négatif. C'est vrai qu'il faut quand même être grave passionné. Je crois que ça fait 20 fois qu'on le répète depuis le début. Mais c'est ça, hein, je pense que ce jeu a un intérêt si t'es passionné, si t'aimes ça. Nous, c'est clair que la passion du train. Voilà quoi. Moi, je prends le train parce que je suis obligé de prendre le train et. C'est ça. Mais je pense que tout le monde. Je suis content parce que maintenant, il y a des prises électriques partout en première. Et voilà quoi. Puis des fois, Ah, vas-y. J'ai pas encore les prises électriques, moi, dans le train que je prends, généralement. Moi, je les ai dans les TGV, puisque j'essaie au maximum de prendre que des TGV. J'ai pas de TGV, moi, dans mon train. Ça n'aide pas. J'essaie tant qu'à faire de prendre au maximum les TGV. Bah là, ce week-end, je me suis bien fait avoir, puisque on s'est parti un poil trop tard... de chez nous, du coup je suis arrivé à la gare genre 2 minutes après que le train soit parti. Coup de bol les smartphones, il y a les applications SNCF qui permettent d'annuler les billets et de réserver sur le truc suivant immédiatement. Ouais. Et du coup, cet enfoiré est le seul truc qui voulait me filer le TGV qui partait genre 3 heures après, fait stop. Et du coup j'ai réservé un TER puis un TGV. Hop, bah là je regardais pas et du coup on va péter le moins de 1000. Hein. Faut freiner. Je crois qu'on va péter le moins 3000 avant même d'arriver à Newcastle. Et du coup, bah, je me suis bien fait avoir. Et
ça m'a un peu saoulé. Bon, déjà parce que au lieu d'arriver à tout petit peu plus de 22, un tout petit peu moins de 22 heures, je suis arrivé à minuit. Donc bon. Ouais, bah normal. Et le TER, bah c'est pas super. Mais bon. T'as combien de temps de TER? 1h15 à peu près. Ah bah tiens, ça me rappelle quelque chose cette durée. C'est presque celle qu'on est en train de faire depuis New York. Bon après j'ai ramassé le TGV, c'était tellement mieux. Puis quand on fait le TGV de chez moi, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'arrêt sur la ligne, parce que le TER, tu fais toutes les gares que tu, dont tu connais même pas les bleds. C'est un... Ah, 125, ouais. Ah non. Peut-être. Non, peut-être, après. Peut-être. Ah, ah. Ouais, à fond. T'as pas attendu que tout le train soit derrière. Turbo, on fout du sable. Pour la peine, je klaxonne. Et vue cinématographique. On allume les lumières. Celles-là, elles sont mieux. T'as le grand jeu, quoi. Ah ouais, mais carrément, hein. Je sors tout. Pour arriver à Newcastle dans 1000 ans. Les pauvres passagers, quoi. Je les ai débarqués et fait embarquer sur les rails. Ils se sont fait balader dans tous les sens dans le train au moins 5 ou 6 fois. C'est énorme. Je suis en train de payer tout ce qui est possible et permis. J'ai oublié de prendre une cuillère, moi. Mouha. Je reviens. Et oui, Renfrew mange avec ses doigts en temps réel. Moi, 2600, ça va. Il va falloir faire un peu attention pour qu'on arrive à Newcastle avant le moins 3000, mais bon, ça se fait. Oui, c'est perdu chez lui, c'est très grand. En même temps, on pollue un petit peu, c'est toujours sympa de polluer un peu. Bah, c'est long. C'est bien, j'ai un train qui peut quand même pas atteindre la vitesse maximale du tronçon. C'est marrant. Vous imaginez à 90 sur une autoroute à 130? Ça doit être vraiment très marrant. Elle est plus... Ouais, 109! On est à 109! Peut-être en 110? Peut-être? Ah, bah... Ah d'accord, donc quand on... Zut! J'ai... Ah si, bah... 110. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah ouais, on est quand même passé à... Quand même passé à 150 km/h dans une gare, là. Hein. Il faut peut-être que je ralentisse un petit peu là-dessus. Non, EZF, à fond. Moins 2650. C'est pas mal. Alors ça, il va falloir faire attention. Un petit peu de frein. Un peu plus de frein. Grave plus de frein. Genre Megaman sur les freins. Genre énorme sur les freins. Puis là vous allez voir que c'est pas pour moi cette limitation de vitesse. Si c'est bon. Ah, on va presque réussir à la faire hein. Un peu moins encore. Peu de frein. 56. 55. Yes! On a fait la limitation de vitesse. C'est un miracle. Hop! Faut pas accélérer non plus. Et on a presque rattrapé le retard. Hein. 9h19. Super.
super. Si on a encore un autre tronçon à fond, à fond, à fond, on va rattraper le retard pour arriver à York. Bon, on en est où là-dessus? Bah non, pas à York. Il y a Rempou qui me déteint dessus. On n'est pas à York, on arrive à Newcastle. Allez, hop, hop, hop. Plus que 10 minutes de let's play. Courage. On a bientôt fini. Et si vous êtes encore là, vous pouvez nous écrire Ananas. Hein, ça nous fera plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous regardent jusqu'ici. Alors que nous, ça fait quasiment 2 heures qu'on est dessus et qu'on atteint des sommets à plus possible de boredom. Alors c'est vrai que c'est pas ennuyeux. C'est faux de dire que c'est ennuyeux. Ce serait plutôt non, c'est pas vraiment chiant non plus. Si, c'est chiant. Mais non, c'est pas vraiment chiant. C'est plutôt inclassable, quoi. Hey, j'ai réussi à m'arrêter de 125 à 55 sans perdre de points. Mm-hmm. Bon, là, par contre, j'en pomme encore, mais bon. Non, c'est clair que c'est pas... Enfin, on peut pas dire que c'est chiant, parce que non, je pense c'est, que c'est... c'est fou de dire que c'est chiant, quoi. C'est vraiment destiné à une sphère de gens qui jouent à ça, quoi. C'est ça. Enfin, qui sont fans de trains... C'est comme avoir SimCity où on est obligé de gérer que la finance de sa ville. Ça voilà. Ça va plaire à des gens et il y en a d'autres qui vont plus en pouvoir tout de suite. Puis là, il y a au moins une des personnes qui reste, qui a le cerveau qui vient de se réveiller. Ou qui vient de se réveiller parce qu'il s'est endormi en nous écoutant. Et qui va nous sortir que oui, ça existe SimCity où on a que la finance de sa ville à gérer. Et on arrive presque à... On a rattrapé encore 1 minute. Il y a un SimCity où faut gérer que la... Oh, ça doit forcément exister. Je me fais pas d'illusion là-dessus qu'il y a au moins quelqu'un qui a développé un truc comme ça. Simulateur de comptable. Et pour ça, il y a Football Manager. Ah bah oui, c'est à peu près ça. J'en ai un Football Manager. Tiens, faudra qu'on fasse un let's play. C'est ça, moi je suis en train de me dire que j'ai des Pro Cycling Manager aussi. Et donc il faut oh qu'on yeah. fasse un let's play. Oh mais... C'est, on a un concept. On est en train de lancer le concept. Attends, hein, voilà, c'est bon, on a un concept. Épisode 2, enfin épisode 1 de 2 heures d'appel Skype. Ça y est, on a le concept. On va faire des mini-séries sur des jeux chiants. C'est ça. Donc un Football Manager. Alors va falloir que je l'installe parce que il doit être dans mon Steam, mais il doit pas être installé. Non, moi c'est sûr qu'ils sont pas installés les Pro Cycling Manager. Ouais, moi c'est même sûr et certain qu'il est pas installé d'ailleurs. Là. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Ah, c'est il sûr. Est dans ma catégorie OSEF sur Steam. Mais faudrait que. Moi j'ai pas de catégorie parce que je sais que si je les catégorise ça va m'énerver parce que je suis habitué à comment ils sont rangés. Ah bah moi je les retrouve plus hein, depuis que j'ai mis des catégories, ça. D'ailleurs je suis en train de les enlever en direct. Hop. Clic. Dans 6 minutes on est enfin à Newcastle. Déjà? Oui. Le mec déjà quoi. On va enfin pouvoir faire autre chose. C'est bien parce que je pense qu'on transmet notre enthousiasme et notre passion à travers ce let's play. Ça fait 1 heure qu'on est en train de bitcher, qu'on en peut plus. Le truc, on n'avait pas démarré depuis 5 minutes, on avait déjà marre, quoi. C'est ça, c'est qu'on transmet une passion à travers ce let's play. Acheter ce jeu... 40€ déjà, c'est ça. Ça calme. Non, 30€, pardon. 1600 parce que bon, il faut acheter les DLC avec. Ah oui, non, c'est obligatoire, ça. Allez, non. À Newcastle. On est à 1000 de Newcastle. On va mettre un peu de frein. J'en peux plus. Je pense que je vais mettre un Peggy 18 au début de la vidéo. Oh, on a été plutôt soft. Hein. Non, aujourd'hui, on a été hyper soft. Mais un jour, on vous enregistrera un épisode de Saints Row que vous compreniez ce que c'est, nous, pas soft. Un jour, hein. Ouais, quand on aura le temps. C'est ça.
toute façon, tu peux annoncer ce que tu veux, y a personne qui nous regarde. C'est un peu ça. Genre, ouais, un jour, bah, je sais pas. Un jour, on fera une photo de nous deux en slip. Voilà. S'il y a des gens encore là qui mettent ça sur, le, sur les commentaires. Et on est dans la merde, ça veut dire. Bon, la frame est très floue et derrière un fond vert. Ah là là. On va freiner pour... On va freiner beaucoup même. Hop. 20 000 par heure. C'est bien parce que quand je freine, on tombe à 10 FPS. Non, c'est... Enfin, je sais pas comment c'est développé ce jeu, mais... Sûrement avec les pieds. Avec une tartine de confiture, je pensais plutôt, moi. Vu comment ça arrive à ramer, et vu ce que j'utilise comme ordinateur, il y a un truc. Ça va être méchamment pas optimisé. C'est ça. On est à 08000 de Newcastle. C'est-à-dire que dans 3 minutes, on parque le train, on jette les voyageurs, et on est libre. Ouais. Et après, on tourne l'épisode sur un autre jeu. Tout aussi chiant. Enfin, non, je pense qu'il y a moyen que ça soit moins chiant. Mais tout aussi chiant quand même. Ah, il d'ailleurs, faut là. Mes amis Steam, s'ils voient ce que j'ai acheté dernièrement, ils doivent se demander pourquoi j'ai acheté ça. En même temps, moi je pense que les... Enfin, vu que j'ai... On a un peu dû se demander ce que j'ai fait quand j'ai acheté celui-là, déjà, tu vois. C'est ça. Parce que bon, on atteint quand même un level... Là, vous pouvez voir la super cité de Newcastle en arrière-plan. Qui est sûrement assez bien modélisé, je pense. Ah, bah là, c'est pas trop mal. Enfin... Faut pas être trop exigeant, mais... C'est quand même pas si pire. Voilà. Et on va avoir que une minute de retard. Hein. Putain, c'est pas mal. Sur le la durée totale. Fuck. Ou... Je me suis remangé les freins d'urgence. Fuuu. On va avoir plus de retard. Non, parce qu'on va repartir tout de suite. Allez, démarre, connard de train. Et vas-y, bouge! L'alerte, c'est pour pas que tu t'endormes, c'est ça, non? Je pense. Ou alors parce que j'ai oublié de modifier mon aiguillage. Mais il me semble que c'est ça, en plus, dans les grandes lignes, dans les trains grandes lignes. Il n'y a pas une histoire que le chauffeur, il doit appuyer sur un bouton toutes les 2 heures pour montrer qu'il s'est pas endormi. Si, il doit y avoir ça. Bah, c'est peut-être cohérent. Ça, ce bouton-là, que tu appuies de temps en temps. C'est fort probable. Bon, on va accélérer un petit peu tout ça parce que sinon on n'est pas rendu, hein. On va pas passer la nuit ici. Ouais, je vois mon quête déchargement. Et parce que tout le monde sait bien qu'un voyageur c'est une marchandise comme une autre. Newcastle 8. Oh oui. Tiens, un monsieur qui est connecté sur Skype alors que d'habitude il est pas connecté à cette heure-là. Il va plutôt se coucher à cette heure-là. Je ne dirai pas son... Qui il est. Bon, on a tous compris. Enfin... Une certaine partie. De toute façon, oui, toi t'as compris. De toute façon, il y a que toi qui... et moi qui sommes là, donc. Voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à bien arrêter mon train où il faut ce coup-ci? Ah, clic. Oui. Je acknowledge l'alerte. Hop, on va préparer le freinage. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît.
Touk. Et on ouvre les portes. Et on va voir le score final. On a dit qu'on essaierait de rester au-dessus de moins 3000. Bah on y est là. Attends, il faut qu'ils prennent en compte le retard maintenant. Puisque tout à l'heure on était à moins 400 et puis d'un coup on est passé à moins 1000. Eh, il est 9h20 hein. Ouais mais je devais arriver à 9h18. Bah c'est pas trop mal, 2 minutes de retard. Hein. Ta, ta, eh, ta, on fait ta, mieux que la SNCF ta, hein. Ta. Ta, ta, na, 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 ta. Yes! Moins 2477. New record! Bon. Bah voilà, on bonsoir fait... à tous, hein, et à bientôt dans un autre épisode, parce que là on n'en peut plus, donc on va faire très vite sur les bonsoirs. Salut!